Et bonjour, nous sommes lundi, il est 9h, je suis en train de me préparer, je vais me maquiller, m'habiller et je vous reprends après. Et surtout que je n'ai plus de batterie. Voilà, ça va couper avant même que je puisse commencer une discussion. On va pas commencer la discussion là maintenant. Vous voyez, je vous ai dit, il commence à me couper la parole. À tout à l'heure. Et voilà, je suis prête, maquillée, habillée. Bon, niveau tenue, j'ai mis un gros pull gris avec un débardeur dentelle là, sur le dessous. J'aime beaucoup mettre ça. Je suis super à l'aise dans ce pull. C'est un pull qui a plusieurs années, hein, parce que je l'avais acheté à l'époque à Shein. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, mais il y en a plein en ce moment, des pulls comme ça, assez loose. Voilà, donc il se présente comme ceci. Je vous dis, il est vraiment loose, hein. Et avec ça, j'ai mis un jean slim. C'est très très bien. J'ai ma paire de New Balance qui est arrivée. Là, j'ai eu un message en me disant qu'elle était arrivée au point relais. Donc c'est parfait, pardon. Je vais partir la chercher là. Récupérer avant d'aller faire les courses, et puis voilà, on est bon, on est prêt. Niveau teint, bah, j'ai mis mon fond de teint. Niveau mascara, j'ai mis le nouveau de chez Sephora. Je pense qu'il faut que je recourbe mes cils, mais impossible de remettre la main sur mon recourbe cils. Je crois que la dernière fois, c'est Kali qui joue avec. Donc il faut que je le retrouve. À mon avis, il doit être entre deux Lego, hein, tout va bien, donc je vais le retrouver. Et sinon, bah, c'est tout. C'est tout. Maquillage très très simple, hein, comme d'habitude. On est parti. J'ai le chat qui n'arrête pas de me coller depuis ce matin. Tout va bien. Ça va, Goji? Elle va sortir, ça va lui faire du bien. Bon, on est parti. Il faut que je remonte en haut. J'ai oublié ma liste de courses. Ça serait dommage de partir faire les courses sans la liste de courses. Je vais récupérer mon colis New Balance. Enfin, c'est Zaranza. Et après, je vais faire mes courses. Voilà, et il faut que je passe à Gémeaux aussi pour retourner mes chaussures. Je vais peut-être y passer en même temps que Sarenza parce que c'est à côté. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Il est 10h là, donc ça va. Je suis pas trop trop à la bourre. Ça va. J'ai dormi ce matin, quoi, donc ça m'a fait du bien. Et puis il vaut mieux que je dorme bien ce matin parce que ce soir je bosse et j'enchaîne 4 nuits là. Ça va piquer. Enfin, bon allez, let's go. Il est 2h-10, j'ai 10 minutes pour vider tout le frais. Comment vous dire que bah, j'ai fait les courses. Je suis passée au relais, je suis passée aller récupérer deux colis qui me sont retournés, des créas de bébé. Donc je vais contacter les personnes. Là, je vais pas avoir le temps parce que dans 25 minutes, j'ai mon cours d'aquagym. Donc voilà, hein, j'ai pris ma place, j'ai réservé ma place. Donc j'y vais et ça va me faire du bien. Je vais vider mes sacs. De course, au moins le frais, le sec, ça peut rester dans les sacs et je le viderai tout à l'heure en rentrant du sport. Mais là, le frais, il faut absolument que j'y mette au frigo. Je vous ai pas montré l'assiette de midi parce que j'ai mangé à la brasserie en fait, vers Carrefour. En fait, j'ai pas mangé ce matin. Je me suis réveillée, je me suis préparée et tout, et j'ai pas mangé. Et après les courses, j'avais la tête qui tournait un petit peu. Bref, j'avais besoin de manger. Donc je me suis dit, allez, je vais passer par la brasserie. Je vais prendre le plat du jour. C'était du blanc de poulet avec des pâtes et des courgettes. Et ben, c'était très très bon. Voilà. Bon, c'était pas du tout le menu prévu à midi parce qu'à midi, c'était des pâtes au fromage frais, je crois, avec du jambon. Bon, en soi, c'est un petit peu pareil, hein, j'ai envie de vous dire. Sauf que le jambon a été remplacé par du poulet. Bah, c'est comme ça, hein. Voilà. Et puis, c'est ce que je disais à Doudou. Je l'ai appelé juste avant. Il me dit, t'es où là? Donc, je lui explique. Il me dit, tu fais bien. T'as bien raison. Profites-en. Pour une fois que t'es toute seule, t'es pas avec les filles. Voilà. Bon, alors, je vous dis pas que je ferai ça toutes les semaines, hein, après les courses, parce que sinon, ça va vite revenir à cher, hein, parce que bon, même si c'est qu'un plat du jour, c'est quand même bah, 15 euros avec le dessert et tout, donc voilà. Bref, sinon, j'ai fait les courses, j'ai eu pas mal de promos, j'ai trouvé des petits trucs pour les filles, alors non, principalement pour Kali, Aria, pour sa taille, il n'y avait rien du tout. Je lui ai pris ce manteau-là. Super chaud pour Kali, parce qu'en fait, on va aller au ski. Alors, on va pas faire de ski, on va aller à la montagne, courant du mois de mars, normalement. Donc voilà, ça valait le coup. Il était à moins 70%, il est passé à 8 euros. Je lui ai trouvé des petits slims noirs, pareil, moins 70%, de 4 euros. Donc, ils sont passés à 1 euro et des brouettes. Donc, nickel, j'en ai pris deux. Et je lui ai pris un pantalon aussi, un jean slim. Bon, par contre, c'est un 2-3 ans, c'est du 92 cm, si je me trompe pas. Non, 98. C'est ça, 98 cm, donc à voir pour l'année prochaine.
Voilà, sinon niveau course, bah, de toute façon, vous aurez le retour de course. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va vous le filmer parce que ce soir, je pars chez mes parents. Et Doudou, il bosse en fait ce soir, c'est pour ça que je vais chez mes parents. On verra si on le filme demain. Je pense qu'on le filmera demain. Ça sera plus mieux bien. Voilà. Enfin bref, voilà. Et je suis passée à Promode. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure parce que il faut que je me bouge là. Il faut que je mette mon maillot de bain en moins de 5 minutes. Il faut que je range tout ça au frigo. Et j'ai récupéré mes New Balance. Voilà, donc elles sont comme ceci. C'est des 420, si ça vous intéresse. Je les ai pris sur Zarenza. Je les ai payés moins 50%. Donc ça valait le coup. Je les ai pris en 41, donc ma taille habituelle. Je vais voir si les semelles rentrent dedans parce que bah, c'est un peu ça le but, hein, que mes semelles rentrent dedans. Je voulais des chaussures qui... Bah, que ça passe partout, quoi, que ça passe avec tout. Et franchement, elles sont très très belles. Vous avez un petit peu de brillant. Elles sont belles. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, tant mieux. Je suis bien contente. Je vais essayer les semelles maintenant. Parce que ça, c'est autre chose. Je suis neuneu. J'essaie de rentrer la semelle gauche dans le pied droit. Tout va bien. Bref, ça rentre dedans. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Je suis... trop contente. Voilà, donc ce soir, j'aurai mes baskets aux pieds avec les semelles et ça va me faire fort du bien. Je vais arrêter d'avoir mal aux pieds, ça, c'est trop cool. Et ben franchement, je suis trop contente. Elles sont canons, j'adore. J'adore. Et je suis super bien dedans, il y a ma semelle, hein, bien entendu. Trop contente. Voilà, et puis ça fait quand même pas trop basket, quoi. Moi qui n'ai pas du tout l'habitude de mettre des baskets, et ben je suis ravie. Je suis trop contente. Ravi. Bon allez, maillot de bain, j'arrête de blablater, là, maillot. Alors, séance de sport terminée, on est à 35 minutes d'activité, bon j'ai arrêté un petit peu après. Point cardio 26, la fréquence cardiaque, on est pas mal. Voilà, moyenne 105, ben voilà, c'est cool. Point cardio, je sais pas du tout à quoi ça correspond exactement, faudrait que je regarde quand même. Enfin voilà, ça m'a fait du bien. Allez, je remets ma montre. Elle est cool, cette montre. Elle est vraiment cool, mais je vous en reparlerai. Et accessoirement, mes ongles ont bien poussé. Hein. Voilà. J'y vais jeudi. Vite que j'y aille, parce qu'ils sont trop longs déjà. Et c'est plus... ouais, c'est plus joli, là. Ça, berk. Berk, berk. Allez. Bon, ça y est, je suis sortie du sport. Bon, je me suis pas démaquillée. Avant d'aller à l'aquagym, j'aurais peut-être dû. Parce que là... l'appareil photo rend très très bien, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. J'aurais pu faire aquabike là directement après aquagym, mais en fait j'ai tellement de choses à faire que je vais rentrer à la maison. Il y avait de la place, le prof il m'a dit vous voulez pas rester pour l'aquabike? Je dis je serais bien restée, mais il faut que je prépare les sacs des filles pour ce soir parce qu'on dort chez mes parents, donc j'avais pas bien le temps. Si c'était tout prêt, il n'y aurait pas eu de souci, mais là tout n'est pas prêt, donc voilà, faut que je rentre à la maison. En tout cas, ça m'a fait fort du bien, je suis très contente. Voilà. On est parti, je rentre à la maison, j'en ai pour 10 minutes pour rentrer. Donc là, il est 3h moins 5, je crois. Et puis, je vais rechercher les filles à 16h chez Nounou. Et après, direction Lyon, on va chez papy et mamie. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Et puis, il faut que je prenne l'ordinateur et tout pour faire le montage. Voilà. Parce que il va pas se faire tout seul. Et c'est pas Doudou qui va le faire ce soir en rentrant du boulot. Donc voilà. Let's go. Bon, on est arrivé chez mes parents, les filles sont avec mon papa dans le salon, je suis en train de préparer le lit pour ce soir. En fait, chez mes parents, comment ça se passe? Aria dort à côté dans la chambre de ma maman, donc on met le lit parapluie et ma maman dort à côté et tout. Et Kali dort ici, donc dans le grand lit, et moi je vais dormir avec elle. Donc l'idée c'est que, comme je suis pas là tout de suite, je rentre à 2h30 après ma nuit de boulot, on met un traversin là, donc comme ça elle peut pas tomber. Il y en a un de l'autre côté aussi, parce que le lit n'est pas du tout contre le mur, hein. Et l'idée c'est que quand je rentre à 2h30, j'ai juste à enlever le traversin de ce côté là et je viens m'allonger à côté d'elle. Donc je prépare tout, que ce soit les pyjamas pour tout à l'heure après le bain, mon pyjama également dans la salle de bain, parce que quand je vais rentrer à 2h30, clairement je vais pas allumer la lumière pour aller prendre le pyjama, on est bien d'accord. Et puis je mets les doudous, les sucettes et tout, parce que c'est pas moi qui vais coucher Kali. Aria c'est sûrement moi, mais Kali non. Voilà, donc je prépare tout comme ça, c'est tout prêt. Elles ont leur repère avec les doudous et tout. Et puis, Kali, elle a l'habitude. Hein. Au début, ça a été un petit peu compliqué de partir au boulot et il n'y avait pas papa. Maintenant, pas de problème, elle est avec papy et mamie. Mamie lui lit l'histoire, elle lui raconte une histoire. Elle ronfle toutes les deux. Elles font semblant de dormir et elles ronflent. Ça passe tranquille. Donc voilà, et ce qui est pas mal, c'est que le boulot est juste à côté. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Voilà, voilà. Il y a Doudou qui va passer là tout à l'heure, parce qu'en fait, quand il remonte du boulot,
Il n'est pas très loin et il va travailler avec un collègue. Donc voilà, il passe nous faire un petit bisou et après il repart travailler chez son collègue. Voilà, tout est prêt. Ça, c'est très bien. Parfait. Parfait, parfait. Je vais voir si tout à l'heure je peux pas essayer de me poser une demi-heure pour faire une petite sieste. Ça me ferait du bien quand même. Je vais essayer. On va essayer. On verra. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dormirai bien cette nuit en rentrant du boulot. Et je vais me prendre une douche peut-être parce que j'ai l'impression de sentir encore le chlore de la piscine de la salle de sport. Et c'est pas très agréable. Non. Non. Petite salade de mâche ce soir avec des œufs et des croûtons à l'ail. Je pense, maman, que je vais regretter les croûtons à l'ail pour mes dents. Je vais peut-être les sucer en fait. Qu'est-ce que tu manges, Calinette? Un raïourt. Et t'as mangé quoi là? Ça, c'est quoi? Des pâtes. Des pâtes? Des coquillettes? Non. Et ça, c'est quoi? Mamie, elle a préparé quoi là? Une clémentine. Une clémentine. Et t'as mangé des crottes? La bouche pleine. Bah oui. Hein? Mais dis-lui à mamie, tout se mélange dans mon bidou. Un petit peu de yaourt, un petit peu de clémentine. Et moi, j'ai des crevettes. T'as mangé des crevettes, oui. Cucu. Ça va, Cali? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Il est où, le ballon? Tiens, mon cœur. Oh. Attention, ta tête. Coucou. Oh, mais rends-lui son ballon. Attention, il va péter. Coucou. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est là-bas? Tu joues au Lego, toi? Il te manque pas une paire de chaussettes? À Cali. Il manque une paire de chaussettes à Cali. Une paire ou une chaussette? Une chaussette, oui, pas une paire de chaussettes. Une chaussette. Touk. Et elle est où, ta chaussette? Elle est où, ta chaussette? Aïe, 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 aïe. Ah, ça t'intrigue, ça, hein? Il y avait un cœur? Un cœur? Un cœur? C'est un cœur. Coucou. Coucou. Allez, Maria, on range les Lego. On range les Lego. Doucement, chérie. Hop là. Coucou. On est chez papy et mamie. Ouais, on est bien là, hein. Bah oui. Mamie, elle est allée se doucher. Pourquoi? Bah parce qu'elle doit prendre sa douche. Depuis hier, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on est dans la période du pourquoi là. Alors il y a des fois que c'est très facile à expliquer, mais alors il y a des fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Bah oui, ça te fait rire toi. Je pensais pas que c'était aussitôt la période du pourquoi. Mais bon, surtout qu'en plus, avant, elle ne comprenait pas qu'elle lui pourquoi. Quand on lui disait « Pourquoi t'as fait ça ?» On lui disait « Pourquoi t'as fait ça ?» Elle disait « Non, c'est Cali. » Enfin. Je vais aller voir. Elle est où, Aria? Elle est où, Aria? Elle fait dodo. Et toi, tu fais pas dodo? Oui. Tu vas y aller? Oui. C'est qui va te lire une histoire? C'est mamie. C'est mamie? Oui. C'est trop cool. J'ai tu... pas de poils. T'as plein de poils? Non. Ah, il n'y a pas de poils? Y a pas de poils. Ah, parce qu'elle caresse les chats de mes parents, Grenadine et Momo. Et donc, il y a plein de poils. Oh, ça, c'était un pied. Hein? Est-ce qu'on leur dit au revoir aux abonnés? Ah ouais, c'est fini. Est-ce qu'on leur dit à demain? À demain. On leur bonjour. Dit... Bonjour, c'est fini. Ah, bonjour, au revoir. Sans la sucette, ça donne quoi? Bonjour, c'est fini. Bonjour, les abonnés. Bonne nuit. Bonne nuit, c'est fini. À demain. À demain.
Bye bye. Maman, elle fait un câlin. Ah, maman, elle fait un câlin. Ah, maman, elle fait un câlin. À demain. Bye bye. Bye bye. Allez, je vous fais des bisous. Je vais couper la vidéo maintenant parce qu'il faut que je fasse le montage. Et d'ici 20 minutes à peu près, je regarde mon poignet alors que j'ai pas la montre, elle est en train de charger. D'ici 20 minutes, je pars au boulot. Je suis à 10 minutes à pied de chez mes parents. Donc ça, c'est top. C'est pour ça que je laisse les filles ici d'ailleurs. L'idée, c'est que je parte bosser. Et quand j'ai fini à 2h30, je rentre chez mes parents, je dors ici et on repart demain matin. Voilà, comme il n'y a pas de nounou le mardi, c'est beaucoup plus simple pour nous. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bisous.